Tournez retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 30 de Red Dead Redemption 2, le meilleur jeu, avec Arthur Morgan, le meilleur personnage de tous les jeux vidéo. Alors, il y a un délire avec le maire à ce qui paraît ici, là. Je me souviens. Amuse yourselves. We are a simple mountain town for people who believe in a better, wiser. Je vais pas répondre à ces provocations, monsieur. Je vais pas répondre. Ah. Hey there. Good day, kind sir. Hello. Enjoy our fair town. Ah oui, c'est qu'il a l'air d'être très grand votre vaisseau, monsieur Ted. Une madame qui prend un bain, ah ouais. And to those that live here, stay here. Howdy, partner. We're a fine town for fine people. An oasis of culture and civilization in the West. American ingenuity, European sophistication, fine architecture, and above all, c'est ça, Skavox. All here in West Elizabeth. Bon, c'est quoi son délire au maire, là? Be well, my proud people. Be well and ah, moi, je bouge pas, moi. Temperance, comment est-ce que je peux enclencher un truc avec lui, là? Peut-être attendre un peu. Hein. Là, il fait son truc, on verra ça plus tard. On a un avis de recherche ici, allons-y. Mister? You after a bounty? I can tell. Ouais. If so, we got a poster on the wall just there. J'espère que c'est une belle somme. Well, well. Ouais, 40 malheureux dollars, non mais... Aïe, aïe, aïe. C'est dead or alive. À capturer vivant. Word is he's made a home out of an old mine up in the Big Valley Mountains. But you might want to leave that one on the wall. Josh Brown to be a hard man to kill, let alone capture. And that's what we're asking for. Got half the bounty hunters in the state out looking for him. I want your advice, I'll ask for it, okay? Aïe, aïe, aïe. Stay safe out there. Il fait que flotter dans ce coin de la map, c'est insupportable. Faut que je remette des tenues sauvegardées là sur mon quin là. Il manque la tenue hivernale. Ça a été handicapant là tout à l'heure. Allons-y. Prends un bain aussi. Parce que je me souviens plus c'est quand la dernière fois qu'on a été prendre un bain, mais je crois que c'était à Valentine, donc c'était il y a longtemps. Oh bah le v'là lui. Watch yourself. Chelou quand même ce maire. Chelou quand même le mec. Changer de vêtements. Alors. Tenue. Voilà, je veux rentrer ça sur le cheval. Voilà, nice. Le bain, c'est une fois par an? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça marchait à l'époque. Mais on essaye ici de laver de temps en temps quand même le Arthur. Faut qu'il soit propre. Faut qu'il sente bon. Ah non, on n'a pas Ralou parmi nous là. Quoique, je sais pas, il est là Ralou ou pas?
Il veut une séance de bain ou pas là? Non? Allez hop. Nah, I'm good. Thank you. Sure, I'll be here if you need me. C'est vrai. Attends, vous arrivez à vous en souvenir quand même. Approximativement 98. Je crois qu'on s'est jamais lavé, nous. Hein. On est sorti propre. Plus besoin de se laver après. Malin. Bon, aussi, ils ont dû se laver une fois. Sinon, j'aurais encore du plein seta, des plein de merde autour de moi, là. Mais. Welcome to Strawberry. Oui, oui, c'est ça, monsieur le maire. T'as raison, toi. Il est chelou le maire. Putain, je me souviens ici dans le online, c'est un des premiers métiers que t'allais chercher ici, je crois. Herboriste ou je sais pas quoi. Je crois qu'il parle que des bains, pas les douches. Ah! Ah voilà, naturaliste. Ah merde, ah ouais. Ah ouais, non mais c'est vrai, moi sinon moi je me lave tout le temps. Hein. Voilà. Je suis toujours lavé, hein. Voilà. Herboris, c'est dans votre corps, monsieur Landuel. Bah nickel. Je vais voir dans les vêtements, j'essaierai bien de trouver un gilet stylé. Parce que là, la chemise comme ça, un peu mauve-rouge, là, c'est un petit clin d'œil à un personnage de 1883. Mais il faut que je trouve un petit veston là qui va bien avec. 39 shower. Mais vous êtes un gamer ou pas? Les gamers, ils se lavent pas. Hein. Ah bah voilà. L'odeur du joueur de League of Legends. Moi j'ai pris ma retraite. Je fais de la TFT. D'ailleurs, bah mercredi soir après l'épisode de Walking Dead Mission Telltale, on se fait de la TFT ici. Mais il est normal, on a pris la retraite. Hein. À la limite des armes. Et encore, ça fait longtemps, perso. Qu'est-ce que je peux prendre? Un gilet classique? Un gilet parisien. Ça donne quoi? Oh ouais, non, ça fait trop chic. Ça fait pas James Dutton. Ça fait trop chic. Traditionnel. Ils sont moches, hein. C'est moche, hein. À la limite en noir comme ça, ça le fait. Mais le col est noir, donc ça fait un peu bizarre. Merde. Ouais, non, horrible ça. Horrible ça là. Allez hop. Ah sûrement qu'à Saint-Denis il y aura d'autres vêtements. Hein. Sûrement. Cette mission-là, j'ai pas envie de la faire maintenant. On a combien de temps là? Oui.
Bon, je vais faire ça. Hein. En plus, plus où il y a écrit River. Merci Rétic pour le raid. Le bûcher. Ils sont là. Comment va l'hérétique? Ah bah merci Vincent. Je m'étais levé le fion pour ça. Pourquoi est-ce que je mets de la musique, moi? Je suis bête ou quoi? Bonsoir les brûlés, les hérétiques qui sortent tout droit des enfers. Non mais GG Vincent. GG, hein. On va peut-être vous mettre une épée, hein. Malintz. On va peut-être vous mettre une épée, là. Comment qu'ils vont? Du coup, ça joue à quoi? Elle let loose. C'est quoi, ça? Soirée de guerre sur Let Loose, c'était compliqué. C'est un peu un FPS, un peu à la Hunt, non? C'est ça? Yo, Tardoth. The Game, comment qu'il va? Et bienvenue totalement au Raid 2. Hein. Merci pour le Raid, encore une fois, ça fait plaisir. Je vais vous mettre le planning de cette semaine, si jamais ça vous tente. Voir ce qu'on fait dans la semaine ici, par ici. Pas mal de Red Dead, là, depuis le début d'année. Jeu de guerre. Ok. Un jeu où tu meurs plus qu'à la normale. Ah ouais, un peu du Die and Retry, quoi. Très bon, d'ailleurs. FPS, Simu, deuxième seconde guerre. Ok, ok. Ah, mais c'est un jeu auquel t'as déjà joué, non? Je sais pas. Je crois t'avoir déjà vu jouer un FPS un peu dans le même style, non? Qui fait un peu d'époque. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah bah ça doit être ça, hein. Merci en tout cas encore pour le raid, ça fait bien plaisir. Non merci. Et du coup, vous, hormis ce jeu-là, vous faites quoi cette semaine en termes de stream, monsieur Rétic? Ok. Ok, d'accord. Putain, 50 contre 50, hein. Ça me fait penser, là, à un jeu à l'ancienne. Je sais pas si vous y avez joué, vous, là. Mag, je crois. Ou c'était du 100 contre 100, un truc comme ça. Je me souviens, c'était un jeu qui jouait que online. Tu l'achetais plein pot et c'était que online. Tu pouvais pas faire autre chose. Je sais pas si vous avez connu Meg ou Mag, je sais plus. Ok, ok, nice. Toujours un peu de Hunt. Femelle. Hey yo, Pony. Bienvenue à toi. Quoi ça? Wapiti femelle? Est-ce qu'il y a un wapiti mâle là-dedans là? Femelle. Il n'y a que de la femelle. Oh! Mais pisté! Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fout?
Ah, bah écoutez, bon courage. La bonne nuitée à vous, monsieur. Puis bon courage pour demain pour se lever. Au plaisir. Encore merci pour le raid. Qu'est-ce qu'il a l'autre là? C'est quoi qu'il a vu? Vous avez joué aussi à Hunt, Monsieur Ted? Je crois me souvenir de ce moment-là. Ça, c'est très, très, très particulier. Il est génial, cet event. Enfin, cette discussion, si je me souviens bien. Très, très stylé, ce moment. Well, what's eating you, partner? Eating me? Oh, I'm sorry, I'll dry up. What? See, I'm, Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport. There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of, like, really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing of me. I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carvings. Yeah, exactly, little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk? Are you? No, huh, I wish. No, I'm, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen, if you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. I don't understand. Why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you if... Eh, but, hey, what harm could it do? What a lunatic. Ah non, pas si ouf la conversation, en fait. Mais ce qui paraît, c'est un délire. Le gars voyagerait dans le temps. À moins que ce soit un autre. Les amis streamers québécois, on est pas mal signé Hunt. Ok, ok. Je connais quelques streamers québécois, mais pas qui jouent à Hunt. Est-ce que vous connaissez Charret? Il a gagné la face des internets l'an dernier. Ou The Fuels. Très très chill chez The Fuels. J'aime beaucoup ses streams à lui. Il a une voix incroyable. C'est vrai, merci, merci. Pourquoi est-ce que je monte là-haut, moi? Après, il va faire un nu, je vais peut-être pioncer. Avant de m'attaquer à la personne, là où c'est qu'elle est, la personne. En plus, elle est juste à côté.
Former. On va peut-être se faire un feu de camp ici, non? Je pense qu'il y a la place là. Je pense qu'il y a la place. On se met bien. On a le voyage rapide. Seigneur. Le matin. Hein. T'as le coup de l'iguane pour les sacoches, ça. Ça fait yèche. Ah bah tiens, en parlant de chier. Je me sens limité une fois à tout prix ce bateau. Les montons de camp. Je vais faire semblant de pas avoir entendu. Ok. Pourquoi ça me met le chemin là alors que c'est là-bas? Pardon, pardon. Mais attends, mais c'est pas du tout où j'étais là en fait, là, cette affaire là. Le Mister Renault, Mister Renard, il fait rien l'autre. Une carabine qu'on va utiliser, mon pote, en plein dans ton couénon, ça va te faire tout drôle, toi. Tu vas voir. Ah ouais, non, mais toi, t'as de la chance, je te le dis. Quoique, peut-être pas. Putain, il a eu de la chance. Je crois que j'ai bien visé, hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Hein. C'était rouge. Nickel. Je sais pas si j'ai déjà ramené une peau parfaite de renard. Je vais pas prendre le corps parce que il va encore pourrir, ça ne sert à rien. La différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, c'est simple. Le bon chasseur, il est là. Il tire. Et le mauvais chasseur. Et là, il se met bien. Il tire aussi, mais c'est pas pareil. Bon, je la fais mal, mais vous voyez l'idée. Il tire et c'est pas pareil. Merde. Putain, mais les chevaux, ça compte pas. Oh là là. Attendez, oh là là, eh bon. Sorry. But not sorry, il faut que je fasse le défi de sang-froid. Là, c'est deux espèces différentes, là, je crois, hein. Espèce d'animaux tués en sang-froid, deux différentes, là je suis obligé, sorry. Excusez-moi, ça va finir en fin du cette affaire. Je suis désolé. Blague ou quoi? Donc j'ai niqué mon honneur pour rien. Je comprends pas, c'était deux espèces différentes. Ah, je comprends pas ce défi là.
Putain de merde, non mais vous avez rien vu, il s'est rien passé, c'est pas moi. J'ai rien fait. Je voulais remplir un défi. Mais je comprends pas ce défi, vous avez peut-être un tips, non? Et peut-être un tips, Ted, pour le défi... l'espèce d'animaux tués en sang-froid, là, je comprends pas. On va tuer en sang-froid, les deux. C'est de monter sur un train et tirer trois fois. Quatre oiseaux en l'air, t'as plus tendance à avoir de... à avoir différents, ah, ok. Mais pourtant, les deux étaient différents. C'était des chevaux, mais deux chevaux différents. Je comprends pas trop. Il ne comprend pas trop. Ah ok. Ah ok, d'accord. Une biche et un cerf, c'est pareil. Et deux canassons, c'est pareil. Faudrait tuer un lapin, un cerf ou un oiseau. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok, ok. Easy. Bah, je vais retenir. Je sais pas si je prends mes armes là, parce que lui, normalement, on n'est pas censé le tuer là. Hein. Ah d'accord. Il fait que de chier ce cheval, c'est pas possible. Proceed with questions. Tel cheval, tel maître. Putain, il connaît bien le bestiau, hein, c'est vrai. C'est vrai que là, on peut pas vouloir retirer celle-là. Ah! Ah merde, j'allais parler, mais seigneur. You got nowhere to go, bounty hunter. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law. It ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me. But you won't beat me, bounty hunter. Ah ouais, sa mère. Je vais encore fail. Ah putain de merde, c'est pas vrai. Et moi j'ai pas envie de le tuer, hein. Ça me saoulait cette affaire. Vous avoir, monsieur. Revenez là, monsieur. Oh. Moi, ça, il me saoule pas. Hein. Et c'est vrai que j'irais bien en chercher un autre, là, après, là. Après avoir fini les choses que j'ai à faire dans ce coin-là. Je me souviens, il y en a un que j'ai envie de prendre ici là.
par là. Il est noir, il est grand, j'aime bien. J'aurais bien été explorer le bazar là, mais si je le laisse ici trop longtemps, il va se barrer. Juste son arme. Ah merde, il n'y a plus son arme. Ah si. C'est une arme spéciale ou pas? Ah non, c'est un vieux cattleman. Ok. Cassons-nous. You didn't even have the decency to do it right. You duel a man and you ought to put him down. Not knock him out and tie him up. You got no decency, bounty hunter. T'as raison, toi. T'as raison. Donc un lapin et un cerf par exemple. Là par exemple j'ai un lapin. Hop dans sa mère. Merde, il est trop loin, Sam. Quoi? Comment ça? Et j'utilisais le sang-froid à chaque fois. Oh là là, c'est terrible. Allez, ferme-la, toi. Et j'y comprends plus rien. I don't deserve this. I deserve to go out with some damn honor. I live by the gun, let me die by it, damn it. That's what I deserve, you damn sneak. You damn gut shooter. Pauvre loup, il a harcelé. C'est ça, monsieur, d'avoir reçu du succès, là. Vous avez qu'à avoir moins de succès, hein, puis c'est tout. Hein. That's Big Josh, all right. Hey, he looks heavy. Can we take that bounty off of you? I can manage him fine. Putain de bande d'enfoirés. Tu l'es en un coup, bordel. Tu es qui? Eh ben ouais, il est trop populaire, le ralouf. J'aurais dû être né moche. Bah ouais. C'est ça votre problème, être trop beau. Trop beau, trop de succès. Trop populaire. Coyotes fighting over someone else's kill. Et lui, il nous emmerde, lui. I don't need to hear it, sir. C'est vrai, la barbe du ralouf. Elle est célèbre, cette barbe. Cette barbe, pardon. Et qu'est-ce qu'il a, l'autre, à gigoter encore, là? T'as raison, toi. Ah oui. Quand même.
comme eux-mêmes. Il veut se faire tâter les bourses. Après, tu peux te les caresser toi-même, hein. J'ai entendu cette barre. Ah, il y a un mot, il y a le B, le deuxième B qui va pas. Et j'aurais pas réussi à le sortir. Là, je comprends pas lui là. Ah, peut-être parce qu'il faut que je le fume avec la même arme, non? Peut-être ça aussi. Ah oui. Peut-être il faut que je fume l'animal avec la même arme. Eh ouais, quel abruti. Putain, ça se trouve c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un rat. Bon, je vois pas où il est, le rat. Ah, voilà. Une main douce sur les couilles. Tuer 5 animaux proprement après les avoir appelés. Ah, ok. Quoi ce bordel? Don't worry about it. T'as jamais remarqué quand tu galères, quand c'est toi qui te raloue le valou, mais quand c'est une autre personne, ça sort tout seul sans problème? Si, si, non, mais je vois. Ouais, il t'a comparé à 15 gags. J'aurais pas aimé, hein. À ta place, j'aurais pas trop aimé, hein. Dis ça comme ça, hein. C'est pas pour foutre la merde, hein, mais... Calmos, Carlos. Et ouais. Howdy. Glad somebody brought this snake in. Morning to you. Fine looking animal you got there, my friend. Here we are. Strawberry. I hear the cells here are really comfortable. Ah ouais, si ce n'est que vous. Incroyable. I'm a regular charmer. Now come on. Elle est pas mal, je valide. Comme dirait Damien. Je valide. Come on, man. Got Brown here. Je vous le mets où, moi? Ah, ok, je le mets en bas, ok. Come on now. Make him comfortable downstairs. Putain, seulement 40 dollars, quoi, lui, là. Comment voulez-vous? Ah. Lock me up. Forget about me. Now, leave me to my peace. Oui, je sais, 40 dollars c'est beaucoup pour l'époque. Et moi je dois acheter une barque à 450 dollars, d'accord? J'ai pas le temps, moi, pour 40 balles. Il me faut plus. Comprenez ça? Hey, he's right here.
He make you work for it? He duelled me, so I'd say that's a yes. Obliged. Ça aurait été 100 dollars. 10 centimes la conserve d'haricots. Et c'est vrai que... C'est pas comme maintenant. Hein. Mais si, je me rends compte. Ça y est, c'est bon, là. Okay, then, girl. Bien sûr que je me rends compte. Mais c'est pas de la faute à Macron, là. Ça y est, là. C'est quoi, ça? Si c'était de sa faute, ça te serait, hein, quand même. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat to ever grace this town? Monsieur le boucher. Une fourrure de renard, hop, dans ta couenne, toi. Absolument. Ah, de rien, allez hop. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le coin? Il y a cet enfoiré, mais j'ai pas envie de voir sa couenne à lui, là. J'ai pas envie de voir sa putain de couenne à celui-là. Ah, mais il y a l'écurie, ici. Ah, j'avais jamais été à l'écurie de Strawberry, je crois. Il y a l'écurie. Eh oui, c'est vrai qu'il y a un délire ici à faire. Le campement... Le camp d'internement de Fort Ring. Il y a un truc à faire. Un PNJ m'avait dit oui, il y a un truc à faire là-dedans. Mais j'irai bien là, moi. Normalement, ici, il y a un cheval légendaire. Je crois qu'il est légendaire. En tout cas, c'est un putain de bon cheval. Il est plus grand que celui qu'on a là. Et aussi, il est plus rapide. Non, pas, non, il est pas plus rapide, mais il est plus grand. Et il me plaît plus. Il est noir. Moi, j'aime bien les chevaux noirs. Là, le blanc, comme ça, je sais pas, ça fait trop... J'aime bien, il est rapide, hein, celui-là. Hein. On l'a level 4 et tout, hein, mais... Je sais pas, je préfère noir. C'est qui Macron? Oh. C'est un président. Ah, Tim Hiver. Hein. T'es tombé sur le cerf et l'alligator gigantesque? Non. Pas encore. L'alligator gigantesque blanc, là, je me souviens que j'étais tombé dessus sur mes runs précédentes, mais pas. Pas encore ici, là. J'ai pas encore fait tout ce qui est légendaire là pour le moment. Alors, en fait, l'été c'est bien pour le beau temps quoi. Là, l'hiver. On a un sale temps là ces derniers temps, je trouve. Non, vous trouvez pas? Par exemple. Tu sais où il se trouve ou c'est du hasard? Je crois que c'est durant l'histoire, à un moment donné, tu tombes sur... Tu tombes sur l'endroit où il y a les alligators et ça te montre l'endroit, enfin ça te situe sur la map où il est quoi, avec la couronne. Donc après tu te démerdes, tu le chasses. Je crois que ça marche comme ça. Hein. L'hiver on est bien, l'été tu gagnes à dormir, ouais. En fait l'été quand il fait trop chaud c'est insupportable. Mais un bon été où tu crèves pas de chaud à H24, ça va. Hein. Quand c'est pas la canicule, c'est ça en fait le truc. Putain de merde. Mais du coup le gars qui est mort ici là, c'est comment? Qui est mort dans la falaise et qui habitait là, sauf comment?
there. Shut your trap. Ah, lui mérite une balle entre les deux yeux. Hey, stop there. Don't move. Still a stone or you get a bullet. Afraid we're robbing all the folks come through these parts. Down on your feet. Now. Il nous emmerde ici là. Ça fait deux fois qu'on se fait attaquer quand même dans le coin là. En plus c'est des Odriscoll. Qu'est-ce qu'ils foutent là les mecs? Ils ont de la thune hein. 6 dollars l'autre il avait. En fait, le truc qui serait cool, c'est d'avoir un été où il y a possibilité de dormir convenablement le soir. Je pense que si on dormirait un peu mieux le soir durant l'été, on apprécierait plus l'été. Après... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, ce con? Pourquoi il va de l'autre côté, cet abruti? Je me suis posé ici avec lui, l'autre, il va de l'autre côté, cet enculé. Qu'est-ce que tu fous, putain? Complètement taré, ce cheval. -30 degrés max, c'est parfait. Ouais, en fait, tant que tu peux pioncer la... La soirée, moi, ça me va. Et pas galérer la journée pour se rafraîchir. Ouais. En vrai, en journée... si tu veux, tu restes chez toi, quoi. Alors que vraiment, moi, le truc vraiment merdant avec l'été, c'est la nuit, quoi. C'est relou, hein. Très souvent la nuit, t'es obligé d'attendre, en tout cas dans ma situation personnelle, d'attendre très tard pour pouvoir ouvrir ta fenêtre et quand même fermer un peu tes volets, histoire de pouvoir avoir de l'air frais dans ta pièce sans qu'il y ait une armée de putains de moustiques ou de bestioles qui rentrent dans ta chambre, enfin dans ta pièce. Moi en particulier, c'est ma chambre, mais voilà. Ah ouais, vous êtes un guerrier, monsieur Ted, aussi. Et la nuit, il fait moins 2. What the fuck? Oh, j'en ai marre, monsieur Jarrett, hein. C'est trop dur. C'est vous, hein. Trop dur chez vous. Ah ouais. Le ralou. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Kentucky. Bourbon. Ah, la pollution, rien à foutre. Hein. Ça boit, ça jette par terre. Beaucoup trop dans ce jeu là ces derniers temps là. C'est terrible.
En tout cas, c'est bien beau ici, ouais. Un ralou. Donc, c'est-à-dire que si je fume deux wapiti, ça marche pas. Il faudrait que je trouve un wapiti à fumer et autre chose. Un Morgan. Mais tout à l'heure, j'ai fumé deux trucs. Ça saoule. Ok. Okay. Merde, putain de merde. Aïe, 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 je l'avais, me bestiole. Peut-être parce que mon odeur va sur eux, je sais pas. Easy, easy. Ah, voilà. Donc, imaginons. Hop. Lui, je l'ai fumé. Et maintenant, ils sont où les wapiti? Ils sont où les ralous? Le même sang-froid. Sang-froid, c'est ça, non? C'est ça le sang-froid, non? C'est pas ça? Sa mère, oh seigneur, moi je faisais un parrain, seigneur, ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord, ok. Ah merde, mais du coup je sais pas comment je vais faire ça moi. Putain, je crois que c'est lui là-bas. D'autres hauteurs. Ben, je crois qu'il est tout noir, celui que je veux. Le légendaire. Je crois que je reste. Oh, tu vas nous emmerder avec sa course, lui. Ça fait déjà 3-4 fois que je le vois, lui. Regardez-le, ce forceur. C'est un forceur, lui. Un forceur de l'extrême. Ça fait 3 fois qu'il me voit. Je réponds même pas. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Moi non plus. Rien à foutre. C'est pas con, ça. Ouais, mais si je bute son cheval, ça va me faire perdre de l'honneur. En plus, il va m'en vouloir. Et en plus, il y aura un témoin. Non, faut que je tombe sur lui quand j'ai vraiment envie de faire la course, quoi. Là, j'ai pas envie. Papy dans les DM de Valou. Ah ouais, ça y est. Mais comment il s'appelle le cheval très intéressant qui est dans ce secteur? Je sais même pas comment il s'appelle. Je suis dans la merde. Je sais qu'il y en a un que je veux ici, mais je sais même pas comment il s'appelle. Seigneur. Euh...
Octroie de l'expérience pour le sang-froid. Tiens, mais j'ai plus que le rhum vieilli là. J'ai pas envie de prendre ça, moi. Restaure entièrement votre sang-froid. Allez hop. Maintenant, on va fumer. On se remet de bien. Comment il s'appelle le cheval ici? En tout cas, je sais qu'il est noir. Je me souviens, il est noir. Il aura sûrement un nom spécial. Je vais aller rechecker mon image. Je vais aller rechecker mon image. Il était où exactement? Ah merde, il n'y a pas de point. Ah si. C'est ça le nom du cheval? Ok, ok. Ça roule, on retient. Putain, maintenant il devrait être là. Je suis au bon endroit. Ah ouais, le papy il a forcé sur les DM. Ah ouais, seigneur. Salut, c'est papy. Donc BBH, ok, ok, ok. Pitié de mort. Je crois pas que c'est un Morgan. Hein. Je crois que normalement il devrait spawn ici le bazar. À mon souvenir. Quand j'avais vu la vidéo du gars qui avait réussi à la voir, je crois qu'il venait par là comme ça. Il devait apparaître là-bas. Et peut-être qu'il va être de l'autre côté aussi, hein, je sais pas. Mais c'est pas un Morgan. Yep. Ennemi, vous avez découvert le repère d'une bande. Ah. Super. Après, vous, si vous aimez les fesses, c'est vous. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Si t'es un homme, tu nettoies le camp.
Je suis là pour avoir un cheval, moi. Ok. Grippe au mulet. Je me souviens même plus du nom. Mais je crois que c'était un pur sang arabe. Excusez-moi les cas. Excusez-moi les canassons. Moi c'est qui lui? S'occupe de son bétail. Vous pouvez dire bonjour à ce monsieur. Mais c'est quoi ce brouillard des enfers? Je le verrai jamais moi ce putain de cheval. Est-ce que je peux faire un feu de camp là? Putain, je peux pas. Yep. Il est 20h. Chasseur. Hey, careful how you go. Can't you see I'm tracking game here? Fait nuit, chef. Okay, sure. Good luck. Something's been here recently. Okay. Sa mère l'hypopète. Était assez efficace, le monsieur est mort. Exactement.
Ah oui, un dépeçage en mauvais état, l'autre, la putain de merde. Ah putain, mais c'est même pas mon cheval, mais qu'est-ce que tu... Je peux même pas lui reprendre, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Casse-toi de là. What? C'est qui tient? C'est quoi cette merde? What? Y'a un truc rouge. What the fuck? Y'a un truc rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Y'a un truc rouge. Us! Putain, mais... Mais putain de merde. Oh là là, il me casse les couilles. Mais c'est un jeu vidéo. Oh là là. C'est pas des vrais animaux, c'est du pixel. C'est dingue. Dans la vie, je tuerais jamais des bestioles comme ça. Par contre, j'en bouffe. Ça, ouais, c'est vrai. Comment ça, pas pareil? Ah bah ils cassent les couilles aussi ces gens-là. Attends, ils se foutent de ma gueule lui ou quoi? Fous de ma gueule toi. Fous de ma gueule lui. Ouais ouais t'as raison toi. T'as raison, toi. T'as raison, toi. Tu veux me créer des problèmes, l'autre. Bon, est-ce que c'est assez de distance là? C'est assez de distance ou pas? Ça a pas l'air d'être assez, hein. Après, voilà, personnellement, voilà, faut que je fasse des sacoches. Faut que j'upgrade mon campement. Donc, forcément, il faut que je fasse des baux parfaites. Salut Vincent, bienvenue à toi. Piétiner 5 animaux avec votre cheval. Odin is with us. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Comment on va? Non, je suis sur la PS5 présentement. Putain, mais il fait nuit. Papy qui n'est pas là comme par hasard, comment ça? Pourquoi? Ah ouais. On vous croit pas là. Puis même si c'est confirmé, là, ça va pas se faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont raconter là? C'est bon.
me font chier. Allez, allez, vos infos là, c'est bon. C'est pas la première fois en plus. Des infos, t'as peur. Attends, qu'il y a rien d'officiel, moi c'est bon. Hein. Ça reste que des rumeurs. Ça en pourparler, mais qui c'est qui a dit ça? Papy est dans l'Edem de Valou si tu le cherches à où. Mais oui, mais vous avez m'envoyé un tweet d'une vieille page Twitter qui a dit ouais, j'ai lu dans ma soupe qu'il y allait avoir ça. Qui en a parlé? Qui a fait quoi? C'est des scoopers. Allez, allez, c'est bon. Là. C'est bon, c'est bon. Et le lien de la source? Il faut sourcer, hein. Attention. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu ça traîner. J'ai pas vu traîner ça, pardon. Ces derniers temps. Après, moi, j'avoue que ça m'intéresse pas plus que ça. Hein. Si nous font une histoire de fou, pourquoi pas, hein, mais. Là, comme ça. Ça donne pas plus envie que ça là sur le papier là. C'est très bien sur la série mère, mais là. Mais qui c'est qui a dit ça? Pas non plus, je vois pas trop l'intérêt. Ils ont déjà eu une heure d'épisode à eux. Ça va, hein. C'était très bien. Faire un spin-off sur eux particulièrement, je vois pas trop. Surtout qu'on a la fin de leur histoire. Bon, après, tu me diras, c'est pas... Ça peut être intéressant de raconter ce qu'il y a au milieu. Mais... ouais. Faut voir. Ah ouais, c'est cet acteur lui-même qui a parlé de ça. Après, entre ce que les gens disent et ce qui se passe derrière... Voilà quoi. On se souvient, hein, Jeffrey Dean Morgan, là, sur Walking Dead. La fin de la saison 10, là... Une dinguerie à la Game of Thrones... Une guerre de ouf, ouais, t'as raison, toi. T'as raison. Ouais, c'est ça, non, mais ça doit être ça, ouais. Non, mais on va te croire, en plus. Ouais, fallait me dire directement que c'est un acteur qui avait dit ça aussi, monsieur Scavax. Vous êtes là, vous me parlez de tweet. Vincent, il a débarqué, il a posé ses couillasses sur la table, il a dit oui. Nick Offerman, l'acteur de Bill, en a parlé. Donc là, forcément, il y a plus de crédibilité là. Ouais, faut voir. Hein. En tout cas, j'avoue que là, sur le papier, ça me tente pas plus que ça. Après, s'il trouve un délire, je sais pas, moi.
Faudrait voir entre... À quel moment il voudrait raconter une... raconter une histoire, quoi. Parce qu'il faudrait que ce soit quand même avant qu'il soit vieux. Hein. Entre le moment où ils vont bouffer des fraises et après, quoi. Mais de toute manière, ça fait déjà... même avant que la saison 1 ne sorte, ça avait parlé du fait que HBO et Sony, du coup, en collaboration, enfin les gens qui bossent sur Last of Us par, via du côté de Sony, genre les Druckmann et tout, voulaient faire un univers étendu. Donc, ouais, bah, faut voir quoi. Voilà, pour le coup, nous proposer ça, je sais pas, tant pas plus que ça quoi. Ils ont réussi à faire des spin-offs sur The Boys, ils peuvent faire surtout. Ouais. Ouais, trop bien d'ailleurs le spin-off sur The Boys. Incroyable, hein. Ouais, voilà, si ça sort une bonne histoire. S'ils ont réussi à trouver un délire à faire. Pourquoi pas, hein. Ouais, j'avoue, non, mais vous avez raison, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde en parle de Gen V là. Waouh, c'est une dinguerie hein. Ah ouais, il a même pas fini, non mais. Ouais, c'est le pire. C'est le pire celui-là. Donc je crois que c'est en face de moi. Hein. Ouais, c'est censé être là. Et on disait, en tout cas, selon Nick Offerman, ouais. Ils veulent étendre ça. Après, faut trouver des bonnes idées, quoi. Suivre des personnages vraiment intéressants. Bill, on le connaît déjà via les jeux. En tout cas, on a la fin de son histoire. Un peu de sa rencontre avec Ellie, etc. Ça adapterait vraiment full le jeu. Il y aurait peut-être des trucs à raconter avec ce qui s'est passé avant par rapport au jeu. Mais là, sur la série, le problème, c'est que leur épisode, il est tellement bien que t'as le début de leur rencontre. Je crois que c'est celui-là, bordel de merde. Oui. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Mais Seigneur, ça meurt. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, calme-toi. You're a fasty one. No, no, wait. Putain de merde. C'est ça en fait le truc. T'as le début, t'as le milieu, t'as l'attaque et t'as leur fin de vie donc. C'est compliqué de vouloir faire un spin-off sur eux. Faut trouver une bonne idée qui se passe entre ces deux temps là. Mais non, j'ai perdu le cheval. Oh putain, il est là. Enfin, je crois. Putain de merde. C'est une blague.
Ah, c'est bon, il est là. T'es où, la putain de merde? Je crois que c'est celui-là. Avant de le prendre, je vais aller vérifier si c'est bien celui-là quand même. Putain, ça aurait fait un gros épisode là, mais il faut que je vérifie. Genre, je sais pas. Faudrait voir s'ils veulent raconter un truc genre après l'attaque qu'il y a. Entre le moment après l'attaque et plus tard, quoi. Mais je vois pas ce qu'ils pourraient nous raconter. Après, si ça permet, je sais pas, pourquoi pas d'avoir une intrigue avec, par exemple, merde, avec Tess, pourquoi pas. Pourquoi pas, si ça permet, je sais pas, moi, d'avoir Tess quelques épisodes. En vérité. Cheval... Creek, River, Red Dead. Est-ce que j'ai pris le bon? Si ça permet d'avoir un truc. Putain, mais c'est vraiment le Black Beauty. Donc du coup, là, celui que j'ai pris, c'est pas le bon. Je pense, hein. Je vais vite faire la vidéo. Merde. Attendez. C'est que du son, quand même. American Strutman, mais si, mais ça a l'air d'être celui-là en fait. Si, si, c'est le bon. Trotteur américain, si, si, ça a l'air d'être le good. Par contre, lui aussi, il lâche des maltésers. Venez, monsieur, on va à l'écurie. On va à l'écurie et puis on finit cet épisode là-dessus. Sur le nouveau canasson. Regardez-moi ça, il est pas magnifique. Je sais pas s'il est plus grand. Si, si, il est plus grand quand même. Si, si, ouais, il est quand même plus grand. Une beauté, carrément. Yep, yep. Du coup, ouais, à voir. Bah, s'il trouve une bonne intrigue et que ça permet de revoir un personnage comme Tess, qui pourquoi pas pourrait participer à leur aventure, avec pourquoi pas une apparition aussi une ou deux fois de Joël, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Mais c'est faire un spin-off pour faire un spin-off avec eux, juste parce que leur épisode c'est un de ceux qui a le plus marché sur la série mère et que voilà, ils vont trouver une idée à la Zob. Et ils vont amener plein de nouveaux personnages dedans, ouais, je sais pas trop. Hein. Mais si ça nous ramène une Tess et un Joël de temps en temps, pourquoi pas. Hein. S'ils ont une bonne idée derrière, pourquoi pas.
Ah, j'espère pas, hein. Ça ferait chier quand même. Donc du coup, celui-là, c'est Michel 6. Allez hop. 1 sur 5 déjà. C'est quoi ce bordel? J'ai entendu un truc cassé. Ouais, Michel 6. Là, celui-là en blanc, c'est Michel 5. Ah, ils appellent Michel les chevaux, là. En vrai, en plus, je crois que c'est même pas le bon. Putain, j'ai cru que c'était une personne, ça. Normalement, ça devrait être celui-là, le 6, et celui-là, le 7. Ah, y'a zombie. There we go. Non, bah, j'ai pas regardé ça. Ouais, des trucs comme ça. C'est bien s'il y a des bazars que j'aime bien qui en gagnent, mais sinon, rien à foutre. Ouais, je pense que c'est sympa pour les big cinéphiles et tout, quoi. Ouais, ouais, ça fait plaisir hein, pour Nolan, tout ça, là, Oppenheimer. Après Oppenheimer, j'avoue, j'ai rompiche. Hein. Je suis pas trop. Ces films historiques, c'est pas trop mon truc à Nolan, là. Je préfère quand il traite des sujets où il y a un peu de fantastique dedans. Genre le Prestige, c'est un peu d'époque, mais je kiffe parce qu'il y a une particularité qui est incroyable. Non, 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 écoutez bien, écoutez bien. J'ai pas aimé Dunkerque. J'aime pas Oppenheimer. Rien à foutre. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est des bons films, mais je préfère des films style Inception, style Le Prestige. Enfin, voilà, bah, en fait, j'aime toute la filmo de Nolan, sauf ces deux films historiques. Là. Enfin, Interstellar, voilà, c'est un de mes films préférés. Tenet, j'aime bien le délire, mais c'est pas son meilleur. C'est pas. Il est bof, quoi. Il est mid. Mais le délire est très stylé. Il y a cette particularité-là que j'aime bien. Mais du coup, voilà, Dunkerque. Et Oppenheimer. On se fait chier, quoi. On se fait chier, monsieur. C'est... On s'emmerde sur ce film. Mais je sais pas si c'est le bon, là. Le trotteur américain, là, normalement, il est censé... avoir des bonnes stats, non? Mais on se fait chier sur Dunkerque, monsieur. On s'emmerde. Il y a de l'action, ouais, bon. You know, I've lived here my whole life. Seen this place go through hell and back, and I wouldn't change. Par contre, Oppenheimer, il y a Einstein. Et ça, c'est incroyable. Ça m'a donné envie de revoir Genius saison 1. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement.
C'est une dinguerie. J'ai pas vu la saison 2 avec en mode Marco Polo. Ou... Non, pas Marco Polo. Picasso, joué par Antonio Banderas. Je l'ai pas vu. Mais en tout cas, la saison 1 sur Einstein, elle est incroyable. Un avis sur Je suis une légende, sympa. C'est plutôt pas mal. À l'ancienne, c'était incroyable, mais maintenant, il y a tellement eu de bons films d'infectés que c'est clairement pas un des meilleurs, hein, Je suis une légende. En termes d'infectés, l'histoire est cool, mais... On a vu mieux niveau scène d'action avec des infectés maintenant. Hein. Bien mieux. Hein. Jamais vu Cheval de Guerre. Je sais pas ce que c'est, votre histoire. Là. Le film de Steven Spielberg, là, c'est ça, là? C'est ça que vous dites? La musique de Oppenheimer, par contre, grosse masterclass. Ouais, sûrement. Hein. Moi, je suis pas rentré entièrement dedans, hein, certainement, mais... Où sont les stats? Je crois que c'est le bon cheval hein, que j'ai. Hein. Mais je suis pas sûr au niveau des stats. Putain, je sais pas si c'est le bon que j'ai, ça m'énerve. Je crois pas que c'est le bon, je sais pas. Men in Black, bien sûr. Qui n'a pas vu Men in Black? Bon, qu'est-ce qu'il attend? I've bred, handled, cared for, and trained more horses than anyone else in the state. You ask around. J'arrive pas à savoir si c'est le bon que j'ai eu là. Attendez. Il y a les stats. 4 6, ça a l'air d'être celui-là. Ok, c'est bon. J'arrête tout. C'est bon. Mettre en pension. On va plutôt le mettre en selle, messien. Alors. Et vous avez regardé, Silver, vous aimez bien Men in Black. Michel. Elle est quand même bien cheatée, Michel 5. Hein. Michel 4, on va peut-être le vendre, hein, non? Il sert à rien, ce mec-là. Ouais. $26 en plus. Allons-y. Salope, beau pote! Au moins, il n'est pas mort. C'est ça qu'il faut se dire. Il a été vendu. Il sera pris en soin. Enfin, voilà. Il sera bien. C'est ça qu'il faut se dire. Crinière naturelle. Oh, on va le laisser au naturel. Hein. Voilà, magnifique. Magnifique le cheval.
C'est pas celui qui a les meilleures stats, mais il est magnifique. You're all right, boy. Ah merde, mais il y a ma peau là-bas, là. Il y a ma peau d'ours en mauvais état. On va aller à Strawberry, hein. Vendre cette merde. Et je pense qu'on en aura fini hein, pour cet épisode. Hein. Qui est trop long, hein. Waouh. Bien trop long. Bien content. Bien content d'avoir ce nouveau quin. Ce nouveau canasson. Il faut que je trouve un moyen de me faire de la thune, là, plus de thune. Je pense qu'il y a un bon moyen pour me faire de la thune, là, ça va aller d'être... d'aller nettoyer le camp, là, que Ralou nous a provoqué, là, de faire, là. Il y aura sûrement de la thune, là-bas. Que ce soit sur les gens ou dans des coffres. Et ben voilà. Et ben voilà. On va faire une belle photo quand même. Une belle photo pour la miniature. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est pas mal. Il n'y a pas... mise au point. Allez hop. Et ben voilà, terminado pour cet épisode. Ciao.